Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, c'est la pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec l'AC Milan, donc c'est l'épisode 7. Et aujourd'hui les amis, nous allons disputer deux matchs. On va continuer le championnat en jouant contre l'Inter de Milan. Ça va être un match super important parce qu'il me semble que l'Inter est environ 3ème, quelque chose comme ça. Enfin bref, l'Inter est dans le top 5. Et après, on va continuer l'Europa League en disputant un match contre Guimarães en phase de poule. La fin du mois d'octobre est quand même assez chargée, puisqu'après le dernier match d'octobre, on va jouer contre la Juventus quand même. Il va pas falloir se louper ce mois-ci. En ce moment, je dis beaucoup ça parce que on s'est un petit peu loupé le début de saison, hein, tout simplement. Bon, l'équipe 1 est complètement fatiguée. Ouais mais c'est bon, on a encore quelques jours pour se reposer. Je vais aussi faire des entraînements. Bon allez, on simule tout parce que bon, j'ai un petit peu la flemme de faire les entraînements. J'ai décidé de faire entraîner des joueurs de l'équipe 2 parce que bon, je préfère laisser au chaud l'équipe 1 pour jouer contre l'Inter de Milan. Et puis après, le deuxième match contre Guimarães, ce sera l'équipe 2 qui jouera en Europa League. D, C, B, C. Bon ça va, c'est plutôt pas mal. Ils progressent tranquillement mes joueurs. Ah voilà, l'Inter est 3ème, 7 matchs joués avec 14 points. Donc si on remporte ce match, on passe devant l'Inter. Offre pour le poste de sélectionneur Bulgarie. Non merci, ça va aller, je suis bien comme ça. Stop, stop, stop. On va faire les entraînements. Merde, pourquoi aucun joueur? Oh, y'en a un, il s'est blessé ou quoi? Ah non, ok, d'accord, les potes, c'est juste que Gomez, il est parti en sélection. Donc on va choisir un autre joueur. Allez, Borini, tu vas t'entraîner un tout petit peu. On va faire, je sais pas, des petits dribbles difficiles, voilà, dans le saut. On simule tout. Oui, donc le premier entraînement là que j'ai fait dans cette vidéo, j'aurais très bien pu entraîner. Ah d'accord, un petit dé, bon c'est pas grave, il progresse. J'aurais très bien pu entraîner l'équipe 1 parce qu'au final le match contre l'Inter de Milan, il était un petit peu plus loin que ce que je pensais tout simplement. Donc ouais, j'aurais pu entraîner d'abord l'équipe 1 et après l'équipe 2, mais bon c'est pas très grave, j'ai entraîné deux fois l'équipe 2, comme ça ils seront en forme pour jouer le match d'Europa League. Et de toute façon en ce moment l'équipe 2 est très en forme. Alors conférence de presse, bon non ça on s'en fout un tout petit peu, enfin pas qu'un tout petit peu même. Et alors on va aller voir vite fait le classement. Donc on est 8ème, d'accord, on est 8ème. En même temps certains ils ont joué 8 matchs, de toute façon on compte pas, on va juste se contenter de gagner. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. L'Inter est du coup 5ème maintenant. Et bon, avec 14 points. Et j'espère qu'à la fin de ce match, l'Inter aura toujours 14 points. J'espère qu'on en aura 15. On joue du coup à l'extérieur. On va faire jouer l'équipe 1. Voilà, voilà. Tout est bon, c'est bon. Mes joueurs sont revenus de leur sélection. Voilà, tout le monde est en forme. C'est parfait et c'est parti. Le stade est clairement rempli. Allez, c'est parti les potes pour ce match à l'extérieur. Oh, oh Borini, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Ok, tu vas centrer sur ton pied gauche, là-bas au deuxième, on t'a vu, oui. Déjà 1-0 à la deuxième minute de jeu, c'est magnifique. Borini encore une fois, il a fait le taf. J'ai bien fait de l'entraîner au niveau des dribbles. Comme ça là-bas sur son côté, il a mis la misère. Ok Rabiot, parfait, je te passe. Rodriguez, la feinte, tu pars sur ton côté, le centre de Rodriguez à la retrouvée Coman, et oui, 2-0, 10ème minute de jeu, c'est parfait. Bon, deux centres, deux buts, je sais pas si on peut dire si c'est dégueulasse ou pas, mais au moins ça fait un petit but pour Caissier. Ah voilà, ça fait plaisir, comme ça Caissier il se remet en confiance là, parce que bon, dans l'épisode précédent, au niveau du milieu de terrain, c'était pas trop ça. Voilà, c'est parfait, il gagne son duel, le gardien peut rien faire, enfin il la touche quand même, et voilà, ça fait déjà 2-0. L'Inter est pas du tout présent. C'est super ça la récupération. Allez Coman, t'essayes de partir. La feinte, la frappe du droit. Ouf, belle claquette de la part du gardien quand même. Parce que là 3-0 à la 16ème minute de jeu, ça aurait piqué pour l'Inter hein. Là, déjà des supporters qui auraient commencé à se barrer je pense. Allez, on va essayer de centrer. Accélère Meunier, la feinte. Le centre du droit, il était tout seul Rabiot. Oh il était tout seul. Si le gardien n'était pas intervenu, ça aurait fait 3-0. Ok, bien joué ça les gars. Tu conserves, tu conserves. Tu joues dessous. Non, non, il s'est loupé le ballon. Le centre, c'est bien centré. Et le gardien, heureusement qu'il est un petit peu présent. Parce que je pense, sans un bon gardien, il n'y a plus d'Inter, là. Super bien joué, ça, les gars. La frappe du droit de Caissier. Oh, oh, j'ai cru que ça rentrait. Ouais, ils n'arrivent pas à bien se relancer normalement. Ils sont obligés de dégager devant. C'est la mi-temps, 2-0 pour nous à l'extérieur, ça fait plaisir. On a fait vraiment une entame de match magnifique, 2 buts en 10 minutes. Après voilà, ça s'est un petit peu plus équilibré, ça s'est un petit peu calmé, mais bon, l'Inter n'a pas tiré une seule fois. Qui est là-bas, de l'autre côté, Rodriguez.
Rodriguez, la frappe du gauche, oh oui, 3-0, magnifique but de Rodriguez. Je me suis dit, oh putain, ma manette, c'est pas possible. Je me suis dit, tiens, je suis pas attaqué. Voilà, la manette, s'il te plaît. Je suis pas attaqué, pourquoi pas tirer, voilà, ça peut peut-être passer, comme ça le gardien il est surpris et tout. Et voilà, 3-0, 66ème minute de jeu, c'est parfait, magnifique but de Rodriguez. Allez, Calhanoglu, allez, la feinte, la frappe du gauche, oh la barre c'est pas possible. Ouah, cette fin de match, là c'est un peu laborieux quoi, mais ouais, ils font que des fautes. Mais j'ai que de ça, des joueurs blessés, c'est n'importe quoi. Mais non, mais ça me fait chier, quoi. En même temps, ils font que tacler et tout, là. Oh, bien joué. Bruni, la feinte, tu rentres dans l'axe. Le crochet. Oh, la frappe du gauche, non. Le poteau, c'est pas possible, le poteau. Bien joué, Bruni. La petite passe. Encore. Oh, le petit compte dégueulasse, mais bon, ça passe quand même, et... Oh, non. Tu dois finir, mais pourquoi tu frappes du droit? En même temps, c'était compliqué. Je peux pas jouer avec ma touche pour enrouler. Je peux pas jouer du tout. Oh, dommage. Oh, là-haut. Bourigny, qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais là, tu peux marquer. Là, par contre, voilà. Croisé du gauche, t'es sûr tu marques? Ouais, c'est plus facile pour toi. Parce que bon, faire des croisés du droit avec Bourigny, c'est un peu compliqué pour toi, je pense. Mais par contre, il a un pied gauche. C'est magique. Oh, oui. En plus, ils arrêtent pas de se tromper. Allez, t'es parti. Coman, je pense que je te l'ai donné dans le bon tempo, clairement. Oh non! En tout cas, Coman, je sais pas s'il a marqué, mais il m'a fait un super match. C'est terminé! On remporte ce match 4-0 cette fois-ci. Il n'y a pas 4-1, il n'y a pas 4-2, voilà. C'est clair, net, 4-0. Et ouais, franchement, on a été au-dessus. Un cran au-dessus, voire même 2-3 crans au-dessus. Là, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire du tout. Et ils ont tiré 0 fois! 0 fois, ils ont même pas tiré alors qu'ils étaient à domicile quoi, mais vraiment on les a laminés. Et du coup on va repasser devant l'Inter, là je commence à monter, voilà, petit à petit, avec l'AC Milan, je commence à me faire à l'équipe, que ce soit à l'équipe 1 ou à l'équipe 2. Et là on va jouer contre Guimarães, donc qui est premier pour l'instant, hein, pour l'instant. Oh non, merde, j'ai encore oublié, j'aurais pu faire les entraînements avec l'équipe 1, bon c'est pas très grave. En plus on joue à domicile, mais ouais, je pense que ça va le faire. Par contre, Calhanoglu, on va voir combien de temps il est disponible, s'il te plaît pas 3 mois. 2 mois, ah, ça fait déjà beaucoup, mais quand est-ce qu'il revient là, André Silva, dans 6 semaines, oh là là. Bon du coup, on sort Calhanoglu du banc, ah ouais, ça fait chier. Kalinic, il est blessé, Silva, il est blessé, Calhanoglu, il est blessé, mais j'ai l'impression que tous mes joueurs offensifs sont blessés, c'est pas possible. Ah, par contre là, on va remettre le petit Bonaventura, hein, faut bien qu'il joue, à la place de Zanellato. Et Bonaventura, voilà, on va plutôt te mettre sur la gauche. Mais ouais, mais en fait, Biglia, depuis le début, je l'avais oublié. Et du coup, à la place, je mettais Mori, là, depuis le début. Mais au final, bah, Mori, pour l'instant, là, tu vas faire un petit peu banquette. J'ai quand même un bel effectif, hein. À part, bon, là, on peut croire que Cutrone, avec ses 66, il est mauvais, mais en réalité, c'est vraiment un bon joueur. Bourigny, bon, il va pas trop se fatiguer parce qu'il doit jouer à la fois équipe 1 et équipe 2, c'est chaud. Let's go, man! C'est parti pour ce match contre Guimarães à domicile. Cette fois-ci, on va aussi les exploser. On va essayer du moins. C'est parti pour ce match. Au final, ce qui est cool, c'est que les joueurs de l'équipe 1 et les joueurs de l'équipe 2 ont presque exactement le même temps de jeu. C'est pour ça que tout le monde est content et pour l'instant, il n'y a personne qui se plaint réellement. Oula! Oula là 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 là, les mecs! Ah ouais, faut faire attention. Ouf, heureusement qu'il a pas tiré, parce que là, clairement, ça faisait but. Hein. Oh, le contrôle orienté de Biglia. Il est magnifique, la frappe du gauche. Ouais, là, j'ai pas trop de solutions. Franchement, ils défendent bien, Guimarães. Hein. Ça bouge beaucoup de mon côté, mais ils arrivent à les suivre. Non! Non, mais j'ai même pas fait esprit, je voulais prendre un autre joueur. Ouf, ça va. Carton jaune. Mais ouais, j'ai vu le tac là-bas au fond, j'ai fait... Ah, bon, mais ça, c'est rouge. Mais non, j'ai pas fait esprit, je voulais prendre un autre joueur à ce moment-là. Bref, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, c'est une bonne équipe, Guimarães. Hein. J'ai plus de mal, limite, que contre l'Inter de Milan. Bonaventura, la frappe du gauche, oui, 1-0, magnifique. Magnifique accélération, là, c'était un petit peu mou. Et puis, boum, Bonaventura, voilà, il a pris ses responsabilités. Ça fait 1-0. Oula. Oh là 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 là, attention les mecs, attention, lui là-bas sur son côté droit, souvent il fait très très mal. Quoi, mais non, ça me refait comme la dernière fois, j'appuie là, tu sais, pour défendre, et puis poum, ça me fait péno.
ça me le fait tout le temps. En plus, je sais très bien qu'il faut pas que j'appuie là quand je suis en défense. Parce que je sais très bien que souvent, allez, l'autre, tu lui fous un petit coup, il tombe. Ok, mais ouais. Ouais, il y a faute, mais ok. Je sais pas. À gauche, je le sens à gauche. Ouah, non, à droite, à droite. Bon, belle égalisation, juste avant la mi-temps. Ouais, je vous avoue que ça fait un petit peu chier. Barco, attaque tes ballons. Oh, ça fait 2-3 matchs, 4 matchs même là qu'on le voit plus. C'est la mi-temps, 1-1 pour l'instant, c'est assez serré quand même. Bon déjà, Mori, on va t'enlever, on va mettre Biglia. Ah voilà, comme ça Bonaventura récupère le brassard. Parce que mon Biglia, on l'a pas trop vu. Et ouais, Cutrone cette fois-ci on t'a pas trop vu. Coman la dernière fois il m'a fait un super match. Enfin la dernière fois contre l'Inter de Milan tout simplement. Donc on va le remettre dans l'axe. Ça va plus là, on fait de la merde. Allez Barco, voilà, accélère un peu. Ok, stop and turn. Tu fais partir Coman. Voilà, ça c'est pas mal. Mais par contre ils sont 36 000 en défense. C'est pas possible, là ils font un bus. Ouais, merci l'arbitre. Super Coman, la récupération. Allez, tu accélères. Hop, au centre là, on t'a vu. À la retombée peut-être. Oh, dommage, c'était bien joué Bonaventura. Allez, bien joué ça Barco. Bien l'accélération. Ok, le crochet, la frappe du droit. Non, il y a pas péno. Non, il y a pas péno. Tu vois, c'est ça que je veux Barco. C'est que t'accélères. Et qu'avec tes accélérations, tu fasses très très mal dans l'axe. Ah, dommage, le centre à terre. Bon, au final, j'ai pas enlevé Borini. Attention, attention, attention à ça, ça peut faire but. Ok, accélère. Accélère, Barco. Parfait. Oh, Coman, bien. Ça, c'est pas mal. Là-haut. Encore. Pour Borini, la frappe du droit. Oh là 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 là, ce gardien. Allez, allez, elle a retombé encore. La reprise. Et voilà, ils se sont loupés. Et nous, on se loupe. Bon allez, attaque de folie, on s'en fout, on n'a plus rien à perdre, nous ce qu'on veut c'est la victoire. Oh mais non, mais c'est quoi cette passe? C'est terminé, match nul, 1-1, bah ouais les supporters, vous pouvez être dégoûtés, je suis dégoûté. C'est pas possible de faire 1-1 contre une équipe pareille quoi, genre ok, on a les mêmes stats presque, à un tir cadré près, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était une domination constante comme ça, mais impossible, impossible de marquer. Mais c'était un bus. J'espère qu'au match retour, on va complètement les démonter. Comment ça, je peux plus voir mes mails? Bon, d'accord, pas grave, tant pis. Et du coup, voilà les potes. Sinon, au classement, on est au championnat 4ème avec 15 points. 8 matchs, 15 points. Et la Juve a maintenant 20 points. Donc, elle est première avec 8 matchs joués. La Juve commence à prendre quelques points d'avance, hein, si vous voyez ce que je veux dire. 5 points quand même. Bon, nous, on va essayer tranquillement de repasser devant Udinese et devant Naples. Histoire d'être le dauphin de la Juve. Et puis après, ça va être un petit combat à distance entre la Juve et Milan. Donc, voilà les potes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc dans la prochaine vidéo, on jouera, il me semble, 2 matchs de championnat. Et donc voilà, on va avancer tranquillement. À propos de mon temps de jeu... T'es qui toi? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Bref, donc ouais, on continuera le championnat. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à liker, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout est en bas de la description. Allez, salut tout le monde!